D'autres batailles, une bataille d'influence, notamment dans les anciens pays satellites de l'Union soviétique. C'est le cas en Géorgie, où le Kremlin s'appuie sur de puissants réseaux d'influence pour faire passer sa doctrine. Reportage Marie Laurent, Pierre Dehorn et Irma Inaritz. Dans la petite ville de Gori, au centre de la Géorgie, un homme, près de 70 ans après sa mort, suscite toujours la polémique. Joseph Staline est né ici et attire toujours sur son nom près de 200 000 visiteurs chaque année. Ici, c'est la salle de la victoire. Vous voyez les photos de son enfance, de son passé révolutionnaire, de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce musée, resté figé à l'ère soviétique, quasiment pas un mot de la grande terreur des années 30, du goulag et des millions de victimes du régime stalinien. Le terme dictateur n'apparaît nulle part. Une glorification du petit père des peuples qui n'est pas du goût de cet historien. Ce musée est une honte pour la Géorgie. Il glorifie l'un des pires dictateurs au monde, qui en plus a lancé l'invasion soviétique de la Géorgie, pays indépendant et démocratique jusqu'alors. Il ne pourrait évidemment pas y avoir de musée Hitler en Autriche, alors il ne peut pas y avoir de musée Staline ici. Des propos difficiles à tenir devant les guides. Alors Giorgi préfère nous emmener à l'extérieur, là où l'ombre des Russes plane le plus lourdement. Depuis 2012, 10 statues de Staline ont été érigées à travers le pays, comme dans ce petit village à 20 minutes de là. Le récit que les Russes essaient de distiller est très simple. Cet homme est parti de rien, originaire d'un pauvre petit village, d'une famille sans le sou, et il a gagné la guerre. Il a été le plus puissant géorgien que l'histoire ait connu, ce qui est vrai. Et vous, géorgien patriote, vous ne devriez pas être fier ? Et ça marche. C'est comme ça que l'énorme machine de propagande russe se déverse jusqu'ici. Une propagande également relayée par l'Église orthodoxe, puissant levier d'influence pour le Kremlin dans ce pays du Caucase, aux mœurs conservatrices. En juillet dernier, devant le Parlement de Tbilissi, des manifestants nationalistes et homophobes étaient venus empêcher par la violence une gay pride, notamment à l'appel de l'Église, suscitant l'écœurement de cet ancien séminariste, aujourd'hui dans l'opposition. Cette croix a été érigée le 5 juillet par des groupes ouvertement pro-russes. Elle a été fixée ici, comme le symbole de leur victoire. Les manifestants d'extrême droite s'en sont violemment pris aux journalistes. L'un d'entre eux a même été tué. Comme vous voyez, ils ont déchiré le drapeau européen en petits morceaux. Ce drapeau, c'est le symbole de notre cap politique et de notre appartenance à la culture occidentale. Parmi les organisateurs, Levan Vazadze, un homme d'affaires géorgien d'extrême droite, ayant fait fortune en Russie et très proche de l'Église. À Tbilissi, il finance un média ultra-conservateur présenté comme alternatif. Altinfo ne cache pas son admiration pour le maître du Kremlin. L'Occident cherche à nous faire taire, à nous marginaliser. Poutine est un empereur, une autorité verticale. Personne ne l'empêchera d'avancer. On a annoncé les victoires du Brexit et de Donald Trump avant même qu'il ne l'emporte. Et c'est à cause de ces pronostics qu'on nous accuse d'être des agents de la Russie. On explique qu'en France, il y a Le Pen, en Italie, Salvini. En Europe aussi, il y a des droites conservatrices. Ce n'est pas seulement le règne de l'immoralité et des opinions libérales. Fort de leur financement, ils viennent tout juste de lancer leur parti politique, baptisé le Mouvement conservateur. Nous, on pense que la Géorgie n'intégrera pas plus l'OTAN que l'Union européenne. Personne ne veut de nous là-bas, c'est très clair. La géopolitique dans notre région est dictée par la Russie. La Russie, omniprésente dans le débat politique en Géorgie, dans les esprits, mais aussi militairement dans les régions séparatistes, toujours accusé d'occuper pas moins de 20% du territoire suite à la guerre de 2008. Jean-Dominique Giuliani, votre réaction à ce reportage, et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a une partie des Russes qui regardent vers...